Alors, vous attendiez à quoi? Une super introduction hyper in au début? Non, ben il n'y en a pas du tout. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons jouer à Verali 97 sur la PlayStation, guidé par Infogrames. Infogrames, vous avez pu avoir... C'est pour ça que je vais laisser le petit logo d'introduction, parce que bon, c'est un jeu Infogrames, et j'aimais bien la musique de l'intro d'Infogrames. Bref, bon, on s'en fout. Qu'est-ce que j'y disais? Donc nous allons tester Verali 97, un jeu de rallye. Puisque là je ne mouille pas. Très arcade. Alors que là, oubliez les Colin McRae, les Richard Burns, tous les trucs un peu simulation. Là, c'est pas du tout le cas. C'est de l'arcade pure et dure. Alors est-ce que le jeu est bien ou pas? Vous allez le découvrir par vous-même. En attendant, voici les modes de jeu. Donc on a le mode arcade, le mode championnat, le mode contre-la-montre. On peut jouer jusqu'à deux. Si vous trouvez un ami pour jouer à Verali 97, ce qui ne va pas être chose aisée à l'heure actuelle. Et on peut avoir des paramètres de joueurs. Donc, on peut par exemple nouveau joueur. Ah oui, donc on peut changer notre nom. Donc, on va mettre. J'en sais rien. On va s'appeler ABC. BBO. Oh. ABB, c'est bien un bébé. J'aime bien un bébé. Sélection de la voiture. Donc là, on va pouvoir. Alors, voilà les voitures que l'on a au début. On a les kit cars ou les WRC, c'est-à-dire ce sont deux classes qui existaient en rallye. Je crois qu'elles existent toujours, mais je crois pas que ça s'appelle les kit cars maintenant. C'est les 6 normalement, voilà. Donc on a une Peugeot 106 Maxi, Saxo kit car, Skoda Felicia kit car, Nissan Almera, Seat Ibiza, Renault Maxi Mégane. Là c'est une 2 litres par contre. Peugeot 306, donc là on est dans les WRC. Ford Escort. Mitsubishi, Subaru. Donc on va prendre, bon, tu vois, enfin, la Subaru. Donc on peut choisir la boîte de vitesse automatique ou manuelle. On peut configurer la manette, voir si le contour de vitesse est en kilomètre ou en miles par heure. Donc là, tout est bien configuré. On va retourner au menu principal. Alors, donc on va commencer le mode arcade. Qu'est-ce que le mode arcade? Le mode arcade, en fait, c'est un regroupement de plusieurs spéciales. Donc 4 en mode facile, 6 en mode moyen et 8 en mode difficile. Oh, putain, j'ai... Oh mon dieu. Allez, c'est parti. Acadizi. Donc là, on va lancer sur la voiture. On l'a fait. On va mettre que 2 tours. De toute façon, c'est le minimum. Parce que sinon, ça va être trop long. Et on va démarrer le jeu. Tout simplement. Donc là, on a option des voitures. C'est les réglages assez succincts de la voiture. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas grand-chose à modifier, à part les suspensions, les supports de boîte, les boîtes de vitesse automatique, sur ou sous vireuse. Bon, on va laisser comme ça. Et je vais mettre suspension souple parce que. Vous allez voir. Retour au menu précédent. On fait go et on est parti. Donc, première spéciale, normalement la plus simple du jeu. Avec un chargement assez sympa. Donc c'est pas mal, il y a quand même toutes les licences de la saison 97, donc c'est vraiment pas mal. Les voitures, bon, elles sont assez cubiques, aucun reflet, mais bon, elles sont 97. Et là, on est parti. 3, 2, 1. Alors, comment on change la vue? Ok, c'est triangle, et là, on est parti. Alors, particularité de ce jeu de rallye, c'est que on ne fait pas un temps sur une spéciale, on joue contre 4 CPU. Et là, vous allez voir directement la maniabilité du jeu, qui est super géniale. Puisqu'en fait, les voitures, ce sont des grosses savonnettes qui partent dans tous les sens. Voilà, c'est parti. Voilà, et on est parti. Alors, au niveau des graphismes, on va commencer par les choses assez positives. On est à 97. Franchement, je trouve que le jeu est vraiment très propre à voir. Franchement, il n'y a pas de superflu. Ou alors que j'ai déjà 10 secondes, allez, 9 secondes, 8 secondes. Que j'ai un checkpoint. Ouais, c'est bon. J'ai un checkpoint. Donc j'ai un temps limité en haut. Donc je disais, les graphismes, franchement, les graphismes sont pas mal. Au 97, c'est joli, c'est propre. Hein. Il y a un effet de lumière. Bon, c'est l'effet de lens flare, ça va avec le soleil. Ensuite, on a donc les textures qui sont bien réalisées. Hein. Il n'y a pas trop de problème là-dessus. Comment ça s'appelle la. Oh là là, n'importe quoi. La distance d'affichage est assez longue, comme vous pouvez le voir là-bas. Par contre, je pense que vous avez compris où se situe le gros défaut. C'est les maniabilités, la gestion des collisions
et rien que ça, ça fait que V-Rally est un jeu de merde. C'est une belle grosse daube à jouer. Donc là, vous allez voir, je pars en tête à queue, je sais pas comment. Ok. Donc là, on repart. Alors évidemment, vous allez dire, je joue avec les flèches. Oui, alors le problème, c'est que 97, on peut pas jouer encore avec l'analogie, puisque ça n'existait pas, ça venait juste de sortir. Et voilà, donc là, je pars encore en tête à queue. Évidemment, on est dans la course la plus facile, mais c'est là où je vais terminer le plus loin. On va passer aux musiques, vous pouvez les entendre. Alors les musiques sont pas trop mal. Franchement, moi j'ai aimé, mais c'est assez original, je trouve, pour un jeu de rallye. Bon, déjà d'avoir des musiques dans un jeu de rallye, c'est pas très courant, mais les musiques sont sympas. Franchement, j'aime bien. Bon, c'est un peu des loops de je sais pas, de 30 secondes. Mais c'est pas trop mal, quoi. Et là, voilà, la gestion des collisions, le premier défaut de ce jeu. C'est-à-dire que, en fait, sur les bas-côtés, si vous y allez, ce n'est même pas la peine de tenter. Vous allez partir en toupie directement. Et vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose. Arrivez, vous êtes quatrième. Ah bah oui, de toute façon... Alors comme vous avez vu, j'ai fait une prestation assez minable. C'est pas faute d'être mauvais dans les jeux de voiture, parce qu'en général je m'en sors pas trop mal, hein, sans forcément se vanter. Mais, donc là la caméra télé, on peut changer les caméras. Alors l'effet du test est pas trop mal rendu, hein, comme vous pouvez le voir ici. Mais oui, alors le maniement, mais c'est... Je sais pas comment on peut faire pire. C'est-à-dire que la voiture, bon, elle grippe bien. Mais voilà, dès qu'on fait un tour un petit peu droite-gauche, elle part n'importe comment. Et quand on touche le relief, eh bien on part... Et encore, là, vous n'avez pas encore vu le pire. On part dans tous les sens. Et c'est ce qui fait que ce jeu est une daube innommable. Je sais même pas comment on peut gagner une course dans ce jeu. À moins de connaître le circuit par cœur, pourquoi pas, et de tapoter légèrement la direction pour pas trop partir. Mais moi, franchement, je n'y arrive pas du tout. Voilà, je n'y arrive pas du tout. Et c'est vraiment ce qui gâche tout, parce que honnêtement, le jeu, pour 97, avait quand même de quoi plaire, c'est-à-dire que les environnements, bon, ils sont comme ils sont, mais ils sont pas mal. Regardez là, par exemple, ici, c'est quand même joli, y a pas à dire. Les textures, bon, elles sont pas super fines, mais quand même, elles ont des textures bien faites. Les voitures, bon, ça se tient, pas de problème. On a un spotter qui nous dit les virages avec des flèches, là je fais n'importe quoi, voilà j'ai foutu dehors le temps. Alors je profite de mon seul moment où je suis pas trop mal et voilà, autant de dire ça, je suis déjà revenu, l'autre il est parti en tête à queue. Donc voilà, donc il y a vraiment de quoi faire un truc pas mal, hein. Je trouve franchement que le jeu, même avec le recul, est assez joli. Il est vraiment joli, il n'y a rien à dire, ça fourmille de tout petits détails, textures précises, tout ça. Mais la maniabilité, bah, elle va tout gâcher. Et là encore, je m'en sors pas trop mal parce que la piste est large. D'ailleurs, je vais essayer de bien conduire pour vous montrer un peu. Parce que sinon, on va finir quatrième à tous les virages. Pour l'instant, ça sent pas trop mal. Alors pourquoi j'ai mis suspension souple? C'est tout simplement parce que déjà que la voiture part en 1 millième de seconde au moindre choc, si en plus les suspensions sont dures, alors là, ça n'a pas la peine. Je vais faire un 4 looping. Là pour l'instant j'en sors pas mal, j'en profite un peu. Je suis déjà dans le lap numéro 2. Voilà, on se calme, on va doucement. Voilà. On a une vue arrière normalement. Voilà. Par contre on a que deux vues, c'est à dire qu'on a la vue intérieure qui est pas mal aussi niveau vitesse et extérieure. Et évidemment il n'y a pas de gestion de dommages. Ça c'est un petit peu dommage. Attention redondance. C'est un petit peu dommage parce que bon, c'est un peu ce qui manque dans le jeu. Mais de toute façon, comme c'est pas vraiment un jeu de rallye, c'est plutôt un jeu de rallye cross, c'est-à-dire qu'on fait des courses contre d'autres voitures. Voilà, je fais n'importe quoi. Ouais, c'est bon, j'ai réussi à m'en sortir. C'est normal qu'il n'y ait pas de dommage. Enfin, disons que ça change pas grand-chose. Donc là, je suis encore premier, alors j'en profite. J'essaie de pas faire trop le con. Ah, sur une victoire à V-Rally, ça se mérite. Il faut savoir quand même que les versions 2 et 3 de V-Rally sont vraiment meilleures, hein. Elles ont vraiment été améliorées sur tous les points, niveau graphique, niveau maniabilité. Ouais, vous êtes premier, vous avez gagné. Donc là, je m'en suis pas mal sorti. Et
étrangement. Donc les versions 2 et 3 de Verali vraiment sont beaucoup mieux. À la limite, je pense que je ferai un test de Verali 2 pour vous montrer à quel point le jeu a évolué d'une manière assez énorme dans le contenu, dans les graphismes, la manivité pas trop encore, mais le défaut des collisions un peu plus. Donc voilà. Alors, du coup, vous allez me dire, est-ce que ce jeu est vraiment nul? Oui et non. Oui et non. C'est-à-dire que la manimité gâche carrément le tout, mais si on arrive à passer par-dessus la maniabilité désastreuse et qu'on arrive à s'en sortir un peu, le jeu est quand même pas mal. Parce qu'il y a des effets de lumière, différences de météo. Les environnements sont sympas, vraiment sympas. Vous allez voir, alors étant en Espagne, il n'y a pas à dire, je trouve quand même que c'est assez original au niveau des décors, des environnements. Après, bon, si on évite de se faire sortir comme ça par les autres voitures, bon bah, c'est assez sympa, hein, on peut prendre plaisir à conduire, mais voilà, en dehors de la manimité, franchement, il n'y aurait pas eu la manimité désastreuse, la manimité aurait été un peu plus recherché, le jeu méritait une super bonne note, il n'y avait rien à dire. Il y avait aussi la collision, c'est vrai que j'ai oublié ça. Mais sans ces deux points, c'était vraiment le sans faute hein, pour un premier Verali. Oh là là, c'était vraiment exceptionnel. En tout cas, ça fait partie des. Aïe aïe aïe, des jeux qui étaient pendus. Et là, je perds du temps, ils vont arriver les autres, non, ils vont arriver. Ça fait partie des jeux qui étaient vendus en bundle avec la PlayStation dans les années 97 d'ailleurs. Il y avait Verali, je crois qu'il y avait aussi Formule 1 97 qui était avec. Par contre le bundle 95, je sais plus ce qu'il y avait sur la console. Du coup beaucoup de gens ont eu ce jeu en fait, sans forcément le vouloir. Mais bon. Après est-ce qu'ils l'ont eu à tort ou pas, ça va le dire. En tout cas, vous avez mon avis, c'est un jeu pas trop mal, qui avait de quoi hein, à faire un super jeu, mais les deux choses se cassent un peu. Voilà. Après, donc, pour parler un peu d'autre chose, au niveau de l'ambiance sonore, bon, je vous l'ai dit, les musiques sont pas mal, hein, disons qu'elles sont assez entraînantes pour rouler. Je pense que c'est un jeu pour pas se prendre la tête, enfin, pas vraiment se prendre la tête. C'est-à-dire que c'est un jeu pour faire une course comme ça, surtout à l'époque, parce que maintenant c'est tellement dépassé que faut n'en tire plus grand-chose. C'est un jeu sympa, voilà, sans plus. Après, comme j'ai testé Colin McRae, vous pourrez voir la différence quand même, entre les deux. Qu'est-ce que je pourrais rajouter sur ce jeu? Et j'ai encore gagné. Décidément, je m'en sens pas trop mal. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus sur ce jeu? Bon, il y a les modes donc championnat, parce que là je suis en mode arcade, hein, qui permettent donc de faire des saisons, des sortes de saisons, des groupements de courses facilement et difficiles. Là j'ai la vue alternée. Je m'en fiche, je vais quitter le replay. J'essaie de voir ce que je vous ai pas montré, parce que franchement il n'y a pas beaucoup de choses dans le jeu, enfin, pas énormément de choses à montrer, à part des spéciales différentes et des courses. Il n'y a pas vraiment grand chose. Alors j'espère vous montrer un petit peu les temps, la nuit, la pluie. Ce serait sympa. Donc là on va faire l'Angleterre. L'Angleterre qui dans tous les rallyes en général est le rallye le plus difficile. Parce que c'est un Grand Prix qui allie un peu tous les temps, la boue, les routes assez étroites, c'est vraiment loin d'être le plus facile des rallyes, donc là pour l'instant c'est pas mal. Oh là là, alors que l'autre il est parti complètement dans le mur. Alors c'est une chose que je trouve pas mal par contre, c'est que les IA, oh là là, j'ai d'avance quoi, les IA, on peut les toucher, c'est à dire qu'en fait on peut les foutre dehors. Et des jeux comme ça où l'IA en fait c'est sur un rail et si on les touche, ben en fait c'est nous qui partons dans le décor ou alors on n'influe pas beaucoup leur trajectoire. Alors que là en fait toutes les voitures sont au même niveau, c'est à dire que si on les touche, ben elles partent en tête à queue. On va essayer de les toucher d'ailleurs. Oh là, elle a commencé à partir en un petit peu. On lui fait une queue de poisson. Ah non, ça va passer. Ah, oh, par contre c'est lui qui me met en queue de poisson là. Allez, je joue au con. C'est pas grave. Allez, on va se concentrer un petit peu.
se mettre dans l'ambiance du jeu. Je vais arrêter de parler pendant allez, 30 secondes minimum. Mais putain, mais c'est pas vrai ça! Ah, je vous l'avais dit, hein, les collisions, c'est quelque chose. Allez, donc là je repars quatrième, il faut que je gagne la course, ça va pas. Putain, c'est n'importe quoi. Oh là 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 là, je suis nul, c'est incroyable. J'ai 2 secondes de retard, là je vais avoir 10 secondes de retard, mais en faisant bien. Allez, on va essayer de pas terminer dernier, ça serait pas mal. Hein, ce serait sympa de terminer dernier. Allez, c'est parti. Oh là là, en plus il y a un double virage là. Ouais, on commence à la rattraper. Je vous demande si c'est pas un peu trop tard pour la rattraper, mais c'est pas rare. Moi j'aurais tenté. Ouais, là je suis troisième. Je suis deuxième. Oh putain! Voilà, faut vraiment pas aller sur le côté. C'est vraiment le gros piège. Et je vais terminer second. Bon, ça aurait pu être pire. J'ai failli rattraper le leader. Toujours avec le replay que l'on va passer. Voilà, donc normalement on a fini. Félicitations, vous avez fini le mode arcade facile. Ok. Ok, par contre, ce qui est alors, oui, il y a pas mal de défauts quand même dans le jeu dont j'ai pas parlé, je vais vous en parler maintenant. Vous allez le voir tout de suite. Ok, j'ai fini la version facile, mais je n'ai aucun classement. Je veux dire, c'est le B.A.B.A. quoi, c'est-à-dire de se dire, on fait une course de 4, 5, 6 spéciales ou plus, on met un classement. Tu finis premier à cette course, tu marques peut-être 3 points, le deuxième 2 points, le troisième 1 point, le dernier 0. Mais un classement final, que tu te dises, je termine premier du championnat, je vais passer au championnat suivant. Non, il n'y a pas ça. Ce jeu est trop simpliste dans l'idée. Les modes de jeu, bon, on peut pas reprocher qu'il y ait 3 modes de jeu. Le jeu de course, c'était souvent ça, hein. C'est-à-dire le mode course arcade, hyper arcade, le mode contrôle pour s'entraîner et le championnat pour débuter. Ou alors la course simple. Mais, quand on rentre dans un championnat, c'est ce que nous allons faire. Donc, nouveau championnat. Alors, je change de voiture pour une fois, alors attendez. Comment on fait déjà? Arrêtez championnat. Quitter sans sauvegarder. Dans le mode arcade, il n'y a pas de classement. Session de la voiture. Donc là je fais ça, je vais prendre quoi? Alors prendre une Peugeot pour une fois. Nouveau championnat. Donc là apparemment on doit tous les faire un par un. Donc quoi que je vais essayer de les faire séparément, si bien ça a marché. Nouvelle-Zélande. Allez, on va faire les Alpes. Commencer rallye. Donc là c'est pareil, championnat, on fait un rallye. Il y a un problème quand même. Normalement, quand on fait un championnat, on commence par la premier rallye avec quelques spéciales, on passe au second rallye, au deuxième, au troisième. Là, on peut prendre celui qu'on veut au début. Pourquoi pas, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Donc là, on est à 20 minutes, donc bon, on a un peu le temps, hein, donc on va en profiter. Pour faire au moins une spéciale dans les Alpes, avec un petit peu de neige sur les côtés. Et là voilà, vous avez entendu le son des voitures, en fait, toutes les voitures ont le même son. Donc déjà, ça c'est un peu dommage. C'est-à-dire que vous allez prendre la petite 106, elle va avoir le même son que la Subaru. Et alors là, oh là, oh là, oh là, bravo, joli carambolage au début. Oh, c'est magnifique. Et du coup, je me retrouve en tête. Voilà, alors là, ça va être un peu plus difficile, parce que franchement, la route est vachement plus détriquée. Oh là là, et vous avez remarqué aussi que je roule contre des kit cars, c'est-à-dire que ma voiture est
une kit car. J'ai dit WRC, mais c'est pas vrai. Et du coup, les CPU ont des kit car. Donc là, je vais doucement. J'ai remarqué que ça varie en fait de bourriner, puisque de toute façon, les CPU ont une difficulté qui n'est pas encore trop élevée. Du coup, on va prendre plus ou moins son temps. Donc voilà, donc les CPU sont en. Suivant la voiture que vous allez prendre, vous aurez des CPU qui sont plus ou moins différents. Allez, voilà, donc là on change, on arrive dans une ville. Pas trop mal réussi, et voilà, alors là j'ai fait un joli looping. C'est parfait tout ça. Alors il n'y a pas de dégâts, je vous l'ai dit, d'ailleurs c'est un petit peu dommage, hein. C'est-à-dire que la voiture je pourrais la bourriner, faire 15 000 tonneaux, elle marchera toujours aussi bien. On a fini un tour. Ah, il n'y avait qu'un tour en plus à faire. Bon, ben, tant mieux pour moi. Je termine premier. Sur les Alpes françaises. Alors, c'est le. Ouais, on va prendre les Alpes SS2. Donc, on est parti. Donc, là, c'est toujours ensoleillé. J'aurais aimé vous montrer une partie dans la nuit. Parce que c'est quand même assez bien fait. Et c'est vraiment pas facile. C'est-à-dire qu'il y a des circuits, des jeux comme Coin Macré ou quand on met la nuit, bon, on y va quand même pas mal. Mais Sauveur Alien, on n'y voit pas grand-chose. Vraiment, hein. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'aimerais vous montrer une course de nuit. Alors que là, ils se poursuivent, mais ça va partir très vite devant, je pense. Ah, ouf, alors qu'on en a toujours. Si tout le monde s'est touché, oulala, attention, oh magnifique, oh, attention, doucement, ouais, du coup, c'est pas du bon. Alors que le premier est déjà en train de s'échapper. Là, il est où ? Donc voilà, il faut prendre en compte que les voitures ont beaucoup de grip, mais des freins assez pourris, et surtout ne jamais toucher les bas-côtés, sinon ça gâche tout. Aïe 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 aïe. Alors, bon ça c'est encore de la nostalgie, mais je me souviens quand je jouais à ce jeu. Parce que j'ai quand même joué pas mal à ce jeu, hein. Bon c'est vraiment quand je m'ennuyais ou je sais pas quoi faire. Parce que je sais pas pourquoi, mais souvent j'y trouvais pas beaucoup de plaisir. À part le plaisir des yeux, parce que le jeu est bien fait. Je me suis toujours dit, mais c'est pas possible, il doit y avoir des dommages dans le jeu. Là je fais n'importe quoi. Oh là 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 là, je fais n'importe quoi. Mais il doit y avoir des dommages dans le jeu. Et pourquoi je disais ça? C'est parce que quand on regarde la vue intérieure, de derrière, je vous l'ai mis plusieurs fois, et faites attention, troisième, oh là là, n'importe quoi. C'est quoi, enfin c'est des courses en un seul tour. Je vais essayer de vous montrer tout à l'heure, quand vous allez voir, quand je vais vous mettre la vue de derrière, vous allez regarder sur le côté de la voiture, c'est-à-dire au niveau de la calandre, vous allez regarder sur le côté, bah là vous voyez les deux phares, bon bah sur le phare qui est à droite, enfin à droite, par rapport à la voiture, pas par rapport à moi, vous allez voir qu'il y a un carré noir. Je sais pas ce que c'est, si c'est un bug graphique ou pas. Et quand j'étais plus jeune, je me disais, mais c'est pas possible, ça doit être des dommages. Vous allez voir, je vous montre. Voilà, le carré noir, là, je pensais que c'était des dommages. Que la voiture était enfoncée parce que bah j'avais touché un mur, etc. Et en fait, non, il n'y a vraiment pas de dégâts. Bon, ça, c'est vraiment une anecdote. Alors là, il neige. Mais ça n'a aucune influence sur le revêtement de la piste. C'est-à-dire qu'en fait, la voiture ne glisse pas plus ou pas moins. Oh, le premier virage rouge. Alors, il y en a un deuxième après à la réaccélération. Il n'y a pas de choix de pneus aussi dans le setup, donc c'est pour ça que quand je dis que ça n'a aucune influence, ça n'a vraiment aucune influence. Oh, on va freiner. On réaccélère. Alors, il y a l'effet aussi quand on dérape, hein, la réaccélération et tout. Ça c'est vraiment pas mal. Voilà. Donc je suppose qu'avec un tour on va essayer de faire doucement. Voilà. Et je pense qu'on va se quitter là-dessus. Sur cette spéciale des Alpes. Si je finis premier. Oh là là où c'était vraiment serré à l'accélération. Bon, vous voyez, une fois qu'on a quand même pris l'habitude du maniement, c'est quand même pas trop mal. C'est un jeu... ouais, c'est pas trop mal, voilà. C'est un peu de pire. Et là, c'est déjà la fin de
Ah non, là il y a plusieurs tours à faire. Bon, ben c'est magnifique. Je tire en tête, je me suis dit, c'est j'ai gagné. Mais en fait, pas du tout. Voilà. Là, on va. Faire attention, virage très serré. Ah oui, quand même que quand on maîtrise un tout petit peu, ça forcément être très fort, ça fait que j'accélère. Oh purée, j'ai pas beaucoup. Pas beaucoup d'efforts. On est quand même loin des CPU, c'est-à-dire que là franchement, il n'y a pas beaucoup de difficultés au niveau de l'intelligence artificielle. Après peut-être qu'en mode difficile du championnat ou arcade, ça sera beaucoup plus compliqué. Mais mode arcade en fait le but c'est surtout de terminer la course sans avoir time up. Et pas forcément de terminer premier. Puis comme je vous l'ai dit, il n'y a même pas de classement en mode arcade, donc c'est un peu dommage. D'ailleurs là, j'ai même pas l'impression qu'il y ait un classement. Alors j'ai pas fait attention. Oh ouais, là je me sens pas trop mal. Voilà. Alors chose assez originale, enfin originale non, mais quand vous, si vous mettez le CD de l'ordinateur, le CD du jeu, vous allez pouvoir écouter la playlist du jeu. C'est-à-dire la musique là qu'on entend, vous allez pouvoir les écouter. Non, il reste pas un tour à faire. Oh, elle est longue cette course. Oh la vache. Oh mon dieu, il reste encore un tour à faire. Donc voilà, donc le CD, si vous le mettez dans la console, dans le PC, vous allez pouvoir écouter des musiques. Bon, des musiques qui sont moyennes. Très moyennes. Il n'y a pas de. Je disais que certaines étaient originales, mais d'autres sont vraiment très basiques. Genre celle-là par exemple. C'est les genres de musique qu'on pourrait trouver dans n'importe quel jeu vidéo de cette époque, même de maintenant. Elle a vraiment aucune particularité. Et donc voilà. Donc là, j'espère qu'on est dans le dernier tour, parce que s'il y a 6 tours à faire, je crois que je vais arrêter avant. Oh là là, je fais n'importe quoi. Donc là, je tape tous les murs. Ouais. Après, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bah, pas grand-chose, hein. Vraiment, j'ai un peu fait le tour, je pense. Vous avez quand même les deux promos spéciales durer la minute. Et celle-ci, au bout de. On en est à. Ouais, elle va durer à peu près 4 minutes et demie, 5 minutes. Voilà. Je me concentre un petit peu et voilà, je tape tout. Heureusement que j'ai ralenti, je n'ai pas accéléré. Allez, j'espère que c'est le finish. Ah, vous avez vu quand même le panneau, il est passé du start au finish. Genre un truc totalement impossible en vrai, mais bon, pourquoi pas. Donc là, c'est bon. On a un replay. Et je crois qu'il reste une course, mais je vais pas la faire. Ah, si, voilà. Donc stage 1. J'ai marqué 5 points, donc voilà, on voit les points maintenant en temps réel. Donc là, il y a des points pour le championnat, ce qui fait que j'ai marqué 5 points. Maz en a marqué 0, l'autre il en a marqué 1, et moi en a marqué 3. Voilà. Position après un rallye. Et peut-être que j'étais mauvaise langue encore une fois. 5-3-1-0. Donc là, ça charge. Alors je vais voir, peut-être que je me suis trompé. Peut-être que j'ai confondu avec le mode arcade. Peut-être que finalement, les rallyes vont se suivre. Ah non, d'accord, j'ai compris. En fait... il faut faire voilà, les rallyes au choix, on peut choisir l'ordre de ces rallyes, mais les points vont se cumuler. Je pense que ça doit être ça. Voilà. Bon, et ben je pense qu'on va se quitter là-dessus. Sur le rallye Safari, cette belle image. Quant à moi, par rapport au jeu, bon, vous avez pu le voir, c'est un jeu qui est pas trop mal. La manimité, j'en ai parlé 10 fois, bon, c'est pas ça. Hein, c'est vraiment, vraiment bidon. Les collisions, je n'en parle même pas. Et encore là, on a des circuits pas trop compliqués. Mais si les circuits sont beaucoup plus durs, comme le Safari, ça va être n'importe quoi. Je pense que vous allez jeter la manette complètement. Donc voilà, Verli 97, un jeu à essayer, juste pour essayer. Mais c'est vraiment pas le jeu du siècle. Vraiment pas. Après, il y a de bonnes idées, les graphismes sont sympas. Mais c'est tout. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde !